n'aurais jamais dû foirer ce plan. Il était vers Olé, ton tuyau, le Turc. Si j'ai failli y rester, c'est qu'ils étaient au courant. On ne bouge pas. Je sais que la balance est acceptable. Il a 30 secondes pour se dénoncer. Moltes. On s'en fout. Le quai de la terreur. Monsieur, je fais peur à tout le monde. Dis-moi, c'est un grand honneur que tu nous fais en venant ici. J'espère qu'on sera sans montrer digne. Hein? Dehors, t'étais peut-être une star, une vedette.
Mais ici, t'es rien du tout. T'es qu'un petit figurant. Y a qu'un chef ici. Et c'est moi. Capitule. Ouais. Oui, qui? Oui, chef. Alors les règles du jeu sont claires. Ou tu te tiens peinard et tout se passera très bien, ou tu fais le malin. Mais là, je vais te pourrir ta vie. Et tu peux me faire confiance parce que de pourrir la vie des gens, c'est mon métier. Capitule? Réfléchis bien à ce que je te dis, hein. C'est moi. C'est moi. Tu peux t'installer. Oh! Ça, c'est tes toilettes. Hmm? Vous êtes con, quoi. C'est pas mal, vous êtes un peu petit. Alors, le petit gars, vous en êtes où? C'est pour demain. Rotation du camion de la blanchisserie à 11h. Tu connais en gonzesse, toi? Bah, pas plus, enfin, comme tout le monde, quoi, oui. Non, c'est... C'est rapport à ma femme. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que ma femme et moi, c'est... C'est plus qu'elle avait avant, tu vois. Hein? Ah oui, ça arrive. Tu ferais quoi à ma place? J'essaierai de récupérer le coup, malin. Tu vois, je rentre chez moi, guirai, je mets mes pieds sous la table, je dîne avec elle, je la fais sourire, et je la mets à mort. À mort? Ouais, à mort, vénard. Mais si elle veut pas? Si elle veut pas, tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Au fait, Joe, ouais. T'as joué mon ticket de loto, là? Ouais. T'inquiète pas, hein, je connais tes numéros par cœur. Ouais, bah tu me le files, s'il te plaît. Non, mais je te le filerai demain, parce que c'est ma femme qui a fait valider le ticket. Elle va me le donner hier soir, mais ça va pas approcher. T'as confiance en ta femme, toi. C'est amusant, ce que tu viens de dire. Quoi? T'as confiance en ta femme? Dis-moi, Maltese, à propos de plaisanterie, tu sais qu'on parle beaucoup en ce moment d'une bande de petits comiques qui songeraient à écourter leur séjour dans notre bel établissement? Tu me prends vraiment pour une truffe, toi? Non, je... Non? Il y a deux minutes, là, tu me parlais de tes problèmes de famille. J'écoute avec intérêt, j'ai répondu sincèrement. Et là, à 47 jours de l'acquis, tu crois que je vais me fourvoyer dans une histoire d'évasion à la mort moelle-neuve? C'est pas me prendre pour un con, ça? Je fais mon boulot, c'est tout. Ouais, bah je finis le mien, d'accord? Va plutôt t'occuper de ta femme, hein. Non, non, pas par là, je viens de nettoyer, hein. Bon, un, je bouffe tranquille. Deux, je pèse un barbe. Et trois, une grosse baffe dans sa gueule.
tranquille, deux, trois, trois grosses balances. Caligne, c'est moi. Pauline. Ça veut dire quoi, ça? Ça va, chérie? Il m'arrive un truc formidable. C'est important, maintenant. Ouais, un tribun, il y en aurait besoin là-bas. Alors, oui? Oui, oui, je me dépêche, hein? Ouais, c'est magnifique. Ouais, ouais, on se voit tout à l'heure à l'aéroport, alors. Ok, merci. Allez, ciao, ciao. Pauline, je peux savoir où tu vas, s'il te plaît? Tu te rappelles d'Anna, ma copine, la grande? Elle devait partir au rallye de dessert. T'as l'équipe médicale. Tu te rappelles ou non? Non. Alors, elle s'est cassée une jambe. Et c'est moi qui la remplace. Quoi? C'est super, non? Non, c'est pas super. Attends, Pauline, réfléchis 30 secondes. Est-ce que t'as pensé un petit peu aux gens qui ont besoin de toi? Hein? T'es patient, t'es malade à l'hôpital et tout ça. Non, écoute, écoute-moi. Écoute, j'ai tout arrangé. Tout le monde est au courant. Non. Mais moi, nous, ça nous va faire du bien. Pauline. Moi, prends un peu de l'air. Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème. Non, il n'y aura aucun problème parce que tu ne pars pas. Ah ouais? Et puis savoir pourquoi? Parce qu'on ne part pas en Afrique comme ça, c'est pas un voyage qui s'improvise. Tu sais que l'Afrique est un pays extrêmement dangereux et t'as pensé à toutes les maladies? Hein? La malaria? Vacciné. La fièvre jaune? Vacciné. Le choléra? Vacciné. Le paludisme? Ah, tu vois, il n'y a pas de vaccin pour le paludisme. L'abcès aux paupières. Hein, souviens-toi de Jean-Claude, ça n'a plus jamais été de ma vie. Non, écoute-moi. Calme-toi. Écoute-moi. Et c'est ce qu'on va faire. Hein? En un, tu vas me faire à manger. Manger? Oui. Si tu as faim, tu t'es fait livrer un pizza. Tu m'entends? Il y a ta qui m'attend en bas. Pauline. Ça suffit. Arrêtez mon avis. Valise. Pauline, ne m'oblige pas à parler espagnol. Pose cette valise. Suelta les maletas. Suelta las maletas. Laisse-moi passer. Suelta el maletas. Laisse-moi passer. Tu vas t'en prendre une. Tu vas prendre quoi? Voilà. Voilà, tu l'as eu. J'aurais jamais dû faire ça. Non, jamais! Attends, attends, attends! Pauline, laisse-moi t'expliquer. C'est parce que je l'ai fait dans le désordre. Attends, Pauline! Je devais d'abord manger. Je devais te baiser à mort aussi! Pauline! Pauline, Pauline, attends! Pauline, laisse-moi t'expliquer, c'est une erreur! Pauline! Pauline, je préviens, tu montes dans cette voiture, c'est terminé, hein! C'est même pas la peine de revenir, hein! Pauline! Pauline, je vais brûler ta collection de taureaux! Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça, casse-toi, casse-toi! Bon vol! Morue, hein! Ça va, M. Martinet? Ouais? Chaud aujourd'hui, hein? Bon. Mais c'est ça, tire-toi! Tire-toi! Me débrouillerai très bien tout seul! Un empoisonnement? Tentative de suicide. C'est son vrai qu'il a trouvé dans son garage. Il a avalé quelques produits vaisselle. Il a vomi? Il a pas fini. Emma, vous l'emmenez au bloc, lavage d'estomac. On fait une petite déprime? Non. Il est gardien de prison. Ah oui, d'accord, ouais. Eh ben, on va lui faire un lavement de sa mère. Attends, ok, monsieur. Pas lavement, s'il vous plaît, pas lavement. Mon nez, là. Il est pas à la radio. La radio, t'es pas prêt de le revoir. Pourquoi? Bah, il est en arrêt maladie. Mais comment ça? Jusqu'à quand il est? Alors là, indéterminé. Parloir à 9h. Allez. L'enfoiré.
futur qui est sorti la semaine dernière. À mon avis, il doit compter tes jours, tu piges? Il me trouve, on verra bien. Qu'est-ce que t'as? Il faut que tu m'en rendes service. Laisse-moi t'expliquer. Je suis en train de te dire qu'elle est partie avec quelque chose qui m'appartient et que j'ai intérêt à récupérer très vite. Tu comprends ça? Mais elle est en Afrique. Mais je sais qu'elle est en Afrique. Mais moi, il faut que je retrouve ce billet de loto, c'est une question de vie ou de mort. Tu comprends ça? De vie ou de mort, Anna? C'est tout ce que t'as trouvé pour que je te refile son numéro. Quoi? Mais putain, tu vas me le filer, ce numéro de téléphone, connasse! Non, pardon, Anna. Anna? De deux autres détenus, Jean Montieu et Marc Deschamps. Les trois fugitifs auraient profité d'une sortie du fourgon de la blanchisserie. Tout de suite, la réaction de Maître Duquesnoy, l'avocat de Moltès. Je connais mon client depuis longtemps. Il n'est pas homme à agir sur un coup de tête. Si Moltès est évadé, ce n'est peut-être que pour une bonne raison. Quelle est votre position par rapport à Moltès? Lui seul la connaît. Je suis guéri. La traque de l'homme au sans-visage a commencé. Les services de police sont en état dans le parking. Et un Beretta dans la boîte à gants. Bien vu. T'as logé mon maton? Oui, oui. Avenue Guy Moquet. Au 16, à Vitry. Ne lâche pas, j'arrive. Véritable coup de théâtre pourrait être joué à la libération la semaine dernière de Mustapha Amel, le Turc, l'ancien complice de Moltes. À tous les véhicules, on nous signale qu'un vigile aurait vu Moltès sortir du parking Marceau dans une 406 gris métal il y a 3 minutes. Bloquez-moi tout le 8ème! Ah, je prends clair, vous devez être en place. Prends à droite là.
Pauline. Maltès, écoute, je sais que tu vas pas me croire, mais c'est un épouvantable malentendu. 30 secondes, ça passe vite, Rachel, fais pas le con. Maltès, c'est pas du tout ce que tu penses. Je t'ai pas volé, Maltès, je suis ton ami. Je suis ton ami, Maltès. Enfin... Non, 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 Maltès. Non, tout ça, c'est ta faute. Hein. C'est toi qui as merdé. C'est rapport à Pauline. J'ai fait exactement ce que tu m'avais demandé. J'ai mis une grosse barre dans sa gueule. Et ça n'a pas du tout, il me fait escompter. 10. Non, non. Résultat, elle m'a quitté et elle est partie en Afrique. Avec ton ticket. Elle était en Afrique avec le ticket. Elle est sur le rallye. Zéro. Non, tu veux vraiment m'obliger à faire ça? Tu crois que je vais l'avaler ton histoire de merde? Maltès, tu es sûr que c'est vrai? Si j'avais ton ticket, je serais pas ici. Réfléchis 30 secondes. C'est quoi cette odeur? Hein? C'est du gaz. C'est mon suicide. Francine, c'est Pauline. Si tu cherches ton ticket de l'auto de merde, tu l'as mis dans ta banane de merde. Ça va prendre longtemps, ces passeports. Non, les papiers, c'est rien, c'est... C'est vaste, quoi. Bon, toi, ça va, je te connais, mais c'est l'autre avec sa maxi-tête. Ça risque d'être un peu plus long, quoi. Pourquoi vous allez où? Ah, Joe. Tant que j'ai pas récupéré mon ticket, toi et moi, on est indissociables. D'accord? Où tu seras, je serai. Alors ta femme a mon ticket et ta femme est en Afrique. Alors on va en Afrique, toi et moi. Capitche? Oui. Oui, qui? Oui, chef. Je vous préviens, je suis malade à l'arrière. Maintenant. Tu crois que tes poiscailles aiment la cervelle? T'as qu'à leur demander. Pour la dernière fois, où est Maltès? Maltès, il a gagné au loto. Et il t'emmerde. Il y a une infirmière qui s'est barrée avec son ticket. Thank you.
C'est quoi tu auras à manger dans l'avion? Arrête de m'appeler Moltesse, enfin, tu vois pas, non? Évidemment qu'il y a à manger dans les avions. Photo, ça. T'as vu la tête? En tout cas, de notre côté, je peux te dire qu'il ne nous arrivera rien. J'ai tout pris. Ça, c'est pour la malaria. Et ça, je vais les prendre tout de suite. Par contre, faire très attention. Parce que la dernière fois, j'ai pris une trop grosse dose. Et j'ai perdu tous mes cils. Je vais quand même en reprendre. On ne sait jamais. Je suis très sensible à la diarrhée. Ça, c'est pour mes oreilles. Parce que tu vois, je ne mets pas ça. Je risque une nécrose. Ouais. Je suis très sensible au soleil. Et quand il fait trop chaud, j'ai eu ça l'an dernier quand j'étais au Touquet. Mes oreilles s'irritent. Je me gratte. Ça continue à s'infecter. Et ça va jusqu'à la pourriture. Et si je ne fais rien, je risque de la perdre. Je suis malheureux de perdre mon oreille quand même. T'en veux? Non. Martinet! Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais? Oh, je crois pas mes yeux, Martinet, qu'est-ce que tu fous là? Encore en vacances, hein, salopard? Bah oui, je. Mais on se connaît? Hein? Bah, on se connaît? Martinet? Non, tu ne connais pas, monsieur. Mais si, je le connais. Non, tu ne le connais pas. Non, en effet, je ne le connais pas. Non, c'est une erreur. Excusez-nous. Ouais, on va rater l'avion. Ouais, allez. Allez. Au revoir. Oui, je sais, monsieur. Tu ne sais pas. Si on se fait serrer avec tes conneries, tu sais ce qui va nous arriver. On va se retrouver au placard direct, tous les deux, toi et moi, mais ce coup-ci, du même côté des barreaux, et tu sais ce qu'on fait un maton en cellule. On l'encule? Alors choisis. Mais il est bien ce jeu-là. Ah non. Mais le jeu est beau. Ça, c'est un beau jeu, ça. Je le maîtrise, le jeu-là. Je gagne tout ça, je gagne. Toi, je te gagne et toi, je te gagne. Mais décroche ça. Mais oui. Écoutez-moi bien. Vous allez me récupérer deux cités qui sont en black à l'aéroport. Par l'avion de Paris. Oui. Manchester, Sergio. Ne ratez pas. Hein. Mais oui. Oui. C'était qui? C'était au propos d'un job là, pour un type qui s'appelle le Kurde. Voilà. On doit aller récupérer deux clients là, à l'aéroport. Ils sont déguisés en noir. Moltes et Régio. Arrête de jouer avec tes dents, c'est dégueulasse. Remets-les. Range-les. Moltes! Ça va comme ça? Hé! Tu es sûr sur les toilettes, toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends une chose, mon petit gars? Ne m'appelle plus Moltes! Est-ce que je ressemble à Moltes? Hein? Dis! Mais. Oui, quand même un peu. Bon, allez, va pisser, dégage. Allez, dégage. C'est peut-être aussi parce que je te connais. Ah, ta gueule. Ah.
Tu veux pas que je t'accompagne? Surtout toi. Là, dis donc, il fait chaud. Toi, tu les vois ou bien? Bah non. Mais regarde bien. Là, je vais chercher un taxi. Tu bouges pas, d'accord? D'accord. Tu enlèves cette étiquette, c'est ridicule. Excusez-moi. C'est à vous la voiture? Parlez français? Moi, devoir aller Bamako. Bamako. Sur le rallye du désert, hein? On m'a donné belle récompense. Bakchich, argent. Bakchich. Allez, pousse-toi. Oh, très joli, hein, vos chapeaux. Moltes! Je vais quand même aller voir si je trouve pas un chapeau! Vous cherchez une voiture? Combien de bornes jusqu'à Bamako? 11 bornes. 11 bornes? Tu crois que c'est les mêmes bornes que chez nous? Bah, une borne, c'est une borne, malin. Bah, pas nécessairement. Aux États-Unis, par exemple, ils comptent pas en bornes, ils comptent en miles. Tu sais combien ça vaut, toi, une miles? Oui, je sais, oui. Eh ben, ça vaut combien? Je sais, d'accord. Tu sais pas? Il sait pas? Eh les gars, vous savez combien ça vaut une mise? 1,6 km. Je sens que j'aime bien me plaire, moi, en Afrique. C'est joli, hein, leurs cheveux. C'est fait comment, tu crois? C'est de la laine. De la laine? De la laine? Ils font les tricots de cheveux? Ils ont mordu à l'hameçon. Pourquoi t'as fait ça? T'es fou ou quoi? Je te trouvais très sympathique, moi, ces jeunes gens. T'occupes. Fais péter, fais péter. On regarde ça. Fais péter, fais péter, fais péter.
Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas boum là, y'a pas boum. Fais voir ça. Mais c'est boum ça, c'est quoi ça? On s'en fout. La course là? Ouais, dans le mille, ouais. Je cherche Pauline Reggio. Qui ça? Pauline Reggio. Elle fait partie du service médical. Vous êtes sûr? Ah oui, ça je suis sûr. C'est une grande, comme ça, un type espagnol avec un assez beau visage. Celle qui a une bouche habitée, un grand blaire, ouais. Tiens-moi ça une petite seconde. Pauline, c'est sa femme, alors un peu de respect, tu veux? Je disais ça pour rire. Ah oui, mais on a ri. Alors, elle est où, la Pauline? Elle est dans le camion de tête. La rotation s'est effectuée il y a à peine 2 heures. Elle est sur un point avancé. Et il est où, ce point avancé? Bakel. Hein? Allez, articule, mon garçon, j'ai pas compris. Bakel. Bakel. Ça, c'est pour la bouche à bite. T'avais oublié le grand Blair? Maintenant, faut se trouver un moyen de locomotion. Quel genre de moyen de locomotion? À bateau. Tu déconnes? Fais. Surveille, surveille. Ça va. Et surprenez le Toyota! J'aime bien pour les Toyota! La note de caisse, c'est celle-là. Avant? La bleue. Allez, Jean-Louis! C'est qui, Jean-Louis? Laisse tomber, on s'en fout. Prends l'air dégagé. Alors? Allez. Ça va, les champions? Ça va, les gars? Tu montes! Ouais. Pas la peine d'en faire 10 tonnes non plus. Il est où, Maltès? Mes frères s'en occupent. On va les rejoindre. Et l'infirmière? T'as trouvé l'infirmière? Mais je t'ai dit, le Kurde, on va la retrouver. Y a rien qui nous échappe de ce pays. Hé, hey, Bamboula. Tu m'appelles encore une seule fois le Kurde et je t'explose ta putain de gueule, t'as compris? Eh bien, c'est par là, le Kurde. Double vainqueur de ce rallye du désert s'apprête à prendre de nouveau le départ. Il va être intéressant d'ailleurs de suivre le champion pour savoir comment il va gérer son avance au classement général. Regarde, ma vue de pouce, mais mon pouce est loin. On y sera vite parce qu'on est qu'à 300 bandes de Bakel. On est surtout dans une drôle de merde. Chauffe pas moi.
Quoi que c'est vrai qu'on n'est pas très bien placé sur la ligne. Tu peux pas te tenir tranquille deux secondes. Il devrait pas tarder. Hey, en attendant, je vais te filer tes flingues, le Kurde. J'ai de quoi le vitrifier, ton pote. J'aimerais pas être à sa place. Hein. Mate-moi ça. Pas à mettre la main sur les deux relous là. Oh putain, je suis dans la merde. Par contre, pour l'infirmière, on est en train de chercher. Ben, je vais improviser avec le Kurde. Hé hey. Je crois qu'on a paumé Moltes. Hé hey, le Kurde, tu m'as entendu? Oh, c'est le Kurde. Trop loin. Chier, faut tout faire soi-même. Allô? Hé hey, frérot, on a retrouvé l'infirmière. Elle est à Bakel. Bakel? Le Kurde? Eh, hey, vas-y, passe-moi mon frère. Ah non, je peux pas, non, il est mort. Quoi? Bah, il a fait une petite erreur de vocabulaire. Eh, mais c'est ta mère qui a fait une erreur de vocabulaire. Je vais te fumer sur le comment tu me parles, toi, t'es fou, quoi? Attends, quitte pas, tiens, c'est ton frère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller directement à Bakel. Avec un peu de chance, on va arriver avant eux. J'ai un plan. Hé, hey, du con, cherche un arbre? C'est moi, l'arbre.
Bien. Très, très bien. Bravo. Pourquoi on s'arrête encore? Parce que j'ai mal au bras, Superman. On n'est pas près d'arriver. Comment? Non, rien. Sans te conduire. Je ne comprends pas comment tu n'y as pas pensé plus tôt. Allez, file, file, file. Que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. C'est plus prudent. Allez, vas-y. Ça va le faire. Ça va le faire, il me dit. Viens voir comment ça va le faire. On peut vraiment pas compter sur toi, Radio. T'es un vrai boulet. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est juste un petit peu de sable sur une roue. Hein. Y a pas de quoi hurler comme un goré. Hein. Je te trouve très ingrat, Moltes, hein, parce que je te signale quand même que j'ai pris le volant pour te laisser dormir. Alors tu pourrais me remercier. Eh ben merci beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben, c'est tout simple. On va mettre une petite cale sur la roue, deux petites poussées, quelques coups de gaz et on est reparti. Y a pas de quoi en faire tout un fromage. Hein. T'es complètement entamé comme mec, toi. Pourquoi? Et parce que tu vois pas que cette voiture est ensablée jusqu'à la garde, qu'elle peut plus bouger, qu'il va faire nuit. Tu sais, Moltes, je crois que t'as une fâcheuse tendance à perdre un petit peu ton sang-froid dans les moments difficiles. On the road again. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai frayé les serpents. Serpents? J'ai vu ça dans un bouquin. Dis-moi, Moltes, tu vas faire quoi avec ton fric? Ben, je vais me trouver un joli coin et finir ma vie peinard. T'as pas de rêve, quoi. Pourquoi t'as un rêve, toi? Ah ouais? Tu veux que je te montre? Écure sur moi. Y'a rien. Ça, c'est mon rêve. C'est le Forsyth PS30. Turbo diesel. Entièrement équipé cuir et bois. Deux couchettes. 19 mètres carrés convivialité. Ma femme et moi, on est un peu aventuriers, tu vois. On aimerait bien faire tous les châteaux de la Loire. Imagine, tous les soirs dans un jardin différent. Tu sors ta petite table. Mais bon. Qu'est-ce qui t'empêche de te l'offrir, ce rêve? 35 934 euros. TTC. Tu vois, dès que t'as des rêves un petit peu ambitieux, c'est inaccessible. Enfin. Adieu. Si on les retrouve, mec, un bar.
Moi, je te l'achète, ton forfait. Tu déconnes? Pourquoi tu ferais ça? Bah, on fait équipe, non? Ouais. Je sais pas quoi te dire. Merci. En même temps, je dis ça, je dis rien, mais tu rajouterais 2000 euros, tu peux avoir le Forsyth Imperator. C'est haut de gamme, avec véranda panoramique et évacuation des eaux usées. C'est ce qui se fait le mieux en matière de camping. Bah ouais. Bah pour le Forsyth Imperator, on va pas se gêner, tiens. Chameau. Chez nous, on dit chameau. Quoi? Non, ça c'est Reggio. Ça c'est moi. Reggio, c'est une banane. C'est moi. Il veut ta banane. Il la veut, la veut. Non, non, je ne donne pas ma banane. Non, non, non. Non, je ne donne pas ma banane. Je donne... Donne-lui ta banane. Non, je donne pas ma banane, c'est tout ce qui me reste. Oui. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange, échange. Ferrari. Mais qu'est-ce qu'on attend? Bah j'attends qu'il se lève, malin. Bah dis donc, on risque d'y passer la nuit, hein. Fais quelque chose. Mais je sais pas comment ça marche, ce truc-là, moi. Bon. Je vais le faire moi-même. Mais je vais le faire moi-même. Je t'avais dit, hein, il fallait que je prenne la place de devant. Ouais, ça va. Ça mord un chameau? D'où je sais, moi, si ça mord un chameau. Alors écoute-moi bien, Chewbacca. Dans le désert, tu me regardes quand je parle? Dans le désert, t'es peut-être un caïd avec tes bédouins, mais ici, t'es rien du tout. Alors, de deux choses. Ou tu joues le jeu, et tout se passera très bien. Ou tu fais le malin, et je vais te pourrir la vie. T'as compris? C'est à moi que tu pourris la vie. Oh, mais faut aussi parler pas français, moi, chameau, hein. Fais de la rétention d'eau. Ah, lâche-moi avec ta maladie de chebèble. Je vais choper une nécro. J'ai soif. On peut pas boire maintenant, on n'a pas assez. Il faut que je boive. Une gorgée, hein, sur les Max. Oh ben non, moi, je peux plus le... Pourquoi? T'as déjà mis ta bouche? T'as dit avant, quoi. Moi, je peux pas, ça me dégoûte de boire après quelqu'un. Il aurait fallu que je boive le premier, quoi. Je suis trop tard. Eh ben, crève alors. Crève toi-même. Putain! J'en prends plein ma gueule devant! Putain, tu vas conduire, toi! De toute façon, devant ou derrière, hein, c'est la même chose pour toi.
Bah, allez, viens, on va pisser. Il fera jamais. Qu'est-ce qu'il a, le petit bédouin, là ? Ah, le bois ! Tu te recouches lentement. Hein ? Puis moi, je vais terminer ce que j'ai commencé. Nando ! Si, c'est ça, ouais. Crie. Nando ! Brel ! Allez, n'aclo ! Allez, khujo ! غادي نعيط للمعيني غادي نعكسلو رجلي غادي يري راسو بغال اون فوا فو دي شيري regarde on dirait qu'il y a un point là-bas comme ça c'est plus haut que la dune je vois pas on dirait un mammouth un gros mammouth C'est un mirage. J'ai pas de raison qu'un mammouth traverse le désert avec un mec dessus. Aucune. C'est un mirage. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Eh bien, messieurs, que puis-je pour vous ? Vous n'avez pas un petit peu d'eau, s'il vous plaît ? Bien sûr. Eau plate, eau gazeuse ? Vichy, Orangina, Cristalline ? En quelle devise comptez-vous payer, mon ami ? Dollars, euros ? Approche. Je vais te dire en quoi on va te payer, moi. Hey ! Là, les capsuleurs ! Si jamais je te recroise, toi et tes copines, je vous débite comme un rouleau de PQ ! J'ai une idée. Je vais me balancer. Et à un moment, tu vas me choper avec tes dents. Et tu vas me bouffer les liens. T'as compris ? Allez, on y va. Putain, lâche la barre ! Et le Turc, ça va ? Tu vois que ça sert à rien de demander gentiment les choses, hein ? Alors qu'avec une bonne baffe à l'ancienne, tout se règle en une seconde. La dernière fois que j'ai donné une baffe, ça m'a pas tellement réussi, hein. Dis-moi, Kiloutou, comment je fais pour avoir la France ? Qui tu veux appeler en France ? Anna, c'est une copine de ma femme. Pourquoi faire ? Bah pour lui demander son numéro. Attends, t'es quand même pas en train de me dire que tu connais quelqu'un qui a le numéro de ta femme depuis le début ? Si. C'est un chameau. Où, non, Anna, il faut absolument que tu me passes le numéro de Pauline. Mais oh, hé, doucement avec le forfait. Toi, ta gueule. Non, c'est pas toi que je parle. Non, passe-moi. Allô, Maltese à l'appareil. Le tueur de la télé. C'est ça, le tueur de la télé. Alors écoute-moi bien, ma grande. Ou tu nous files le numéro de Pauline, ou ce soir tu couches à la mort, choisis ta deux secondes. Je le cherche. Note. Bon, heureusement qu'elle a passé par là. En Coronien, et ce n'était fini. Mais qu'est-ce que vous faites là, au milieu des desserts ? Ben, on faisait du shopping. Dis donc, Conchita, t'as pas du courrier à monter au désescalier à faire, là ? Ça marche, Montez, ça sonne ! On est riche, merde ! Enfin, je veux dire, tu es riche. Pauline, téléphone pour toi. Allô ? Cassis ? Tu vas bien, ma chérie ? Je t'appelle pour le ticket de l'auto. Quoi ? Tu sais, le ticket de l'auto, Voltaire, que t'as validé avant de partir. Eh ben, c'est toi qui l'as, ma
dans la banane. T'es sûr? Mais bien sûr qu'il y a, je suis sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Tu t'es venu au loto? Aide-moi à descendre ce truc. Non, non, pas moi. Maltese. Maltese? Encore lui, hein? Ah! Allô? Allô? On a été coupé. Je l'avais dit, hein? Qu'il fallait pas donner la banane. Allô? Mais ça veut dire quoi? Allô? Ta gueule! Ta gueule! Attends, pas dit ça! Toi! Là! Allô? Allô? Passe-moi Maltese! C'est de la part de qui, monsieur? Passe-moi Maltese! Mais à qui ai-je l'honneur? Tu lui dis que le Turc lui transmet ses amitiés. Il y a un nommé le Turc qui te remet ses amitiés. Bon. Le Turc. Passez-moi Pauline. Non, et tu lui dis aussi que je lui crève la gueule, que je déchire le bide et que je lui arrache les yeux. Il va te crever la gueule, t'arracher le ventre et... Passe-moi ça. Allô, le Turc? C'est Maltese. C'est quoi ton problème? Non, c'est ton problème. Hein? C'est ton ticket de loto ou je bute la femme de ton pote. Échanger la femme contre le ticket? Quoi? T'es où, là? Hé hey, on est où, là? Entre Bakel et Touba. On est entre Bakel et Touba, et toi, t'es où? On est où, là? On est où là? Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Mais oui, mais plus pas de Bakel ou de Touba? On est plus pas de Bakel ou de Touba? On aurait de Bakel ou de Touba? Kif kif. C'est kif kif. C'est kif kif. Oh merde! On est plus près de Bakel ou de Touba? Pareil. Oh, fais chier! Putain de pays de bordel! De merde! T'énerve pas, le Turc, tu vas nous péter une durite, ce serait dommage. Putain, tu crois pas si bien dire, Maltese? Je te donne rendez-vous demain. À Touba, à midi. Où ça? À Touba! Mais où est Touba? Devant l'église! Y'a pas d'église ici! Tu me fais chier! Devant la mosquée! On y sera. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi cette histoire de changer le ticket contre la femme? Quelle femme? Ma femme? Hein? C'est qui ce kurde-là? Turc. Quoi? Une relation de travail. Une relation de travail? Qui veut t'ouvrir le ventre et te crever les yeux? Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il va faire à Pauline? Hein? Rien. Comment ça rien? Parce que ta femme aujourd'hui elle vaut 15 bâtons. Excusez-moi là, je pourrais récupérer mon portable? Toi ta gueule. Alors il est où ton fourgue? D'habitude ils viennent tous revendre leur butin chez Saddam. Bouclard en face? Ouais c'est là. Regarde ce petit doigt, regarde, 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 regarde. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Tu as quelque chose ici qui m'appartient et auquel je tiens énormément, c'est-à-dire cette banane. De deux choses l'une, loin de moi l'idée d'être belliqueux, mais où tu veux dire. Il est parti. Oh putain, la merde. Un problème? Putain, il est là, c'est lui, il est là, il est là. Laisse, je m'en occupe. Voilà. Un phénomène, Nicolas, merci. Qu'est-ce qu'il y avait dans la banane? Rien, des affaires personnelles. Ah ouais? C'est tout? Non, il y a 15 millions aussi. En liquide? Je me suis pas. Hein? En liquide? Non, un billet de loto. Mais vous êtes qui, vous?
Ezio ? Ezio ! Le ticket. Ezio. Bon. Maintenant, on retrouve Pauline, on échange le ticket et retour à la maison. Je crois pas, non. Hein ? Mais c'est ce que t'avais dit ? Là, j'ai changé d'avis. Nos routes se séparent ici, Ezio. Attends un peu. Tu vas me faire ça, Montez. T'avais dit qu'on faisait équipe. Et Pauline? Ça, c'était mon problème. Pauline, c'est ton problème. Écoutez-moi, monsieur le curé, raisonnons en adulte, ça n'a aucun sens. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Écoutez, monsieur le curé, soyons raisonnables, voulez-vous ? Non. Écoute, le curé, deux choses. Je vais te dire une bonne chose, le curé. Tu touches à ma femme, je te pulvérise, t'as compris ? Bon, tu viens ? On va se trouver un hôtel. En attendant demain midi. Merci, Amontes. T'es vraiment un chic type. Bon, ta gueule, ça va. T'as raison. Maintenant, je vais faire ma gueule. Plus un mot ne sortira de ma bouche. J'ai une vue sur les dunes ? Ah, sinon, monsieur. Très bien. Alors, écoutez, par rapport à votre bassin d'hydratation, quel est votre système de désinfection ? Désinfection de la piscine. Vous désinfectez comment ? C'est un système d'hydrolyse ou bien c'est des pilules de chlore ? Je ne sais pas, monsieur. C'est embêtant ça. Vous pouvez poser la question à votre... Parce que c'est important pour moi, voyez-vous, j'ai des nécroses aux oreilles, alors si c'est du chlore, je risque une infection, et je voudrais parler avec vos avocats. Comment ? Fille-moi la tête, je vais dans la chambre. Oui, je t'en prie. Demandez-lui, chlore. Chlore. Oui. Hydrolyse ou chlore ? Chlore. Qu'est-ce que c'est à la piscine, moi, pas chlore. Hé, hey, vous avez des suites ? Non, attendez. Excusez-moi, mais vous voyez pas que je suis en train de parler avec monsieur ? Hein ? Ça va croire, ça ? Vous voyez pas que je suis en train de parler avec monsieur ? Ouais, alors vous êtes gentil, vous tenez derrière la ligne, d'accord ? Quelle ligne ? La ligne de courtoisie, monsieur. Alors, si vous ne la voyez pas, vous l'imaginez. Ouais. Grossier personnage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas, monsieur. Bon, c'est pas grave. Simplement, vous lui demandez de m'en rappeler parce que c'est important, c'est médical. D'accord ? Et vous, monsieur, je vais vous dire. La courtoisie, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on a naturellement. Gitan. Bon, vous avez des suites. Ah oui, monsieur. Qu'est-ce que vous fiez ? Rien, c'est elle, m'a mordu. Ah, c'est bien fait pour ta gueule. Non, c'est rien, ils sont fous amoureux, ils sont comme des fous. Dis donc, Conchita, tu continues à faire des œillades et je vais t'envoyer un coup de serpillière dans la gueule, tu vas pas comprendre. Je t'emmerde. Ta gueule, avance. Français putain. Quoi ? Tu vas voir dans la chambre, toi. C'est marrant, comme ça me va bien, ces vêtements exotiques. Ouais. J'ai l'impression que ça met tout mon corps en valeur. Je dois avoir un petit peu de sang africain, moi. Par contre, pour toi, je t'ai pris un petit camailleux dans les bleus. Ouais. Je crois que ça ira mieux avec ton teint. Ça fera plus ressortir ton énergie. Tu paraîtras moins fade. Voltaire, tu m'écoutes ? Oh, toi, t'es en train de me faire du boudin. Qu'est-ce qui va pas ? Ah ouais, c'est jamais facile de retrouver un camarade avec qui on a eu une dispute. Mais ça va s'arranger. Tu peux me faire confiance. J'en ai eu, moi, des bisbrouilles avec des amis. Mais ça s'est toujours arrangé. Je suis sûr que c'est un malentendu avec ton ami. Hein ? Qu'est-ce que t'as bien pu faire à ce garçon avant qu'il t'en veuille à ce point ? Y a rien qui ne soit pas pardonnable. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Hein ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Tu peux me le dire, je suis ton ami. Qu'est-ce que tu lui as fait ? J'ai tué son frère. Oui, quand même. Mais tu es... Alors, comment vous trouvez la déco ? À chier. Qu'est-ce que t'as pour riper, toi ?
me chercher un orangina. T'es con quoi, toi? Casse-toi. Casse-toi. Tiens, prends ça. Bon, bah c'est ça, va à la piscine, hein, si ça te fait plaisir. Demain à midi. Hey, Conchita. Tu connais le mambo? Chiotte, ce mec. Conchita connaît les mambo. C'est dingue comme quand tu souris, tu fais penser à quelqu'un. Ouais. Quand tu souris surtout, hein. Ouais. Souris un peu pour voir. C'est dans un film, je t'ai vu dans un film. Ça, comment il s'appelle? C'est un film, c'est avec un détective qui se tape des tas de filles sensationnelles dans des voitures anglaises. Ah, je reviens pas sur son nom. Oh, c'est pas grave, bonsoir. Ce que je veux te dire, hein, ça c'est mon plan. Tu te tiens derrière moi. D'accord? Mais si jamais ça tourne au vinaigre, t'interviens. Hein? Bon, je peux pas t'expliquer pourquoi, parce que c'est trop long. Et crois-moi, moins t'en sais, mieux tu te portes. Et puis moi, il faut que je... Ou je ferme ma gueule. Hein? Hein? Ça va chier. C'est dommage, parce que j'aurais pas...
Je cherche deux Européens. Un grand blond coiffé comme une fille et un brun costaud, antipathique. Numéro de chambre. Excuse-moi, est-ce que je peux téléphoner de ta chambre parce que j'ai oublié ma clé et j'appellerai la réception comme ça, il viendra m'ouvrir. Parce que j'ai pas trop envie de réveiller mon copain. Merci. Non, parce que tu vois, comme il est un petit peu saoulé, tu vois, je préfère prévenir, tu comprends? Vous avez fait une fête? On est arrivé. Oui. T'es sûr? Eh oui, oh. Qu'est-ce que tu fous? Tu viens ou quoi? Ah, ah, ma vieille, c'est... Ah, mes cheveux! Connard! Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que je peux... Mais je te connais, toi. T'es l'abruti de la réception. Non, écoutez, je ne vous... Je vais t'enfiler, moi, du désinfectant. Service de chambre. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On est venu pour te faire ta fête, le Kurde. Ah ouais? Ça va saigner! Si vous avez touché un cheveu de Pauline, on vous pulvérise, hein. Tire. Tire dedans. On va se la faire à l'ancienne. Ça va chier. Qu'est-ce qui me veut, celui-là? Mais... Tu as des vrais problèmes de digestion, hein? Il l'a fermé, connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va chier grave. T'arracher la colonne vertébrale. Non, on peut pas t'arracher la colonne, il n'y sert pas t'impressionner. Te laisse pas impressionner, Moltes, vas-y. Vas-y, te fous-lui dans la gueule, Moltes, te fous-lui dans la gueule. Toi. Ça servira à rien, toi. C'est une soirée privée. Voici. Donne-moi ça. Moltes, attention! Servi. Faudrait penser au pourboire. Ton ticket. Ton ticket! Va chier. Ah ouais. Et là maintenant,
2. Oh. Ah bah dis donc. On dirait que tu tiens ta bondasse. Hey, lâchez mon mari, j'ai vos boutes. Ta gueule. Bouge pas, chérie, bouge pas. Martinet ? Pardon, je me suis trompé d'étage. Ça va être atroce, je veux pas que tu regardes ça. Maltese, Pauline, je voulais que vous essayiez. Je vous demande pardon, tout ça c'est de ma faute. T'inquiète pas, laisse-moi regarder. Je vous demande pardon. Toi, rien là. Pourtant, j'ai sorti parce que la balle. Mais tu vas la voir, hein. Tu vas la voir. Maltese, les flics, il faut. Allez, allez, allez. Par là, par là. Prends le ticket, Reggio. Quoi? Pourquoi? Prends le ticket. Attends. Parce que les flics arrivent et je retournerai pas en tôle. Non, 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 Maltès. Attends. Reggio. Le perds pas. Merde, merde. Vous m'aurez pas. Maltès! Tu fous la clave! Attention, je suis le bon vivant! Alors, si toi, Maltès. Il s'appelle Maltès. Le fort. Le super fort Maltès. Monsieur, j'ai fait peur à toute la France. Écoute-moi bien, Maltès.
Je vais te faire pleurer jusqu'à que tu pleures. Et si tu pleures pas... Jumbo. Tu vas pleurer quand même. Compris? Oui. Où est Kay? Ici, c'est pas comme les autres. Ici, ça fait peur. Les hommes, ils rentrent, ils sont comme des hommes. Ils sortent, ils sont pas comme des hommes. Ils sont comme des femmes. Reste tranquille. Si les toilettes. Jumbo. Prends la moitié de l'homme. T'inquiète pas. Je vais te faire la misère, Maltese. 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 Non, Maltese. Maltese. Moi, je dis Maltese. Si je veux dire Maltese, je dis Maltese. Toi, tu fais trop de malinois, toi. Je vais t'attraper, je vais t'attacher derrière mon chameau, je vais te faire traverser tout le désert en marche arrière. Et il rira bien qu'il rigolera vers la fin. D'accord, oui. C'est l'Italie. Je me demande bien qui peut t'écrire. Tu viens à la tombola mercredi? Mais qu'est-ce qu'il a gagné? La montre. Qu'est-ce qui se passe?
Maltese, tu es un homme libre. Mathieu. Je t'avais dit que tu n'aurais pas à faire un ingrat. Hein? Faites-moi, et je prends la glade. C'est des copains. Arrête, Joe. Eh bien, je vais te présenter. C'est des mercenaires. C'est moi qui les ai engagés. Un peu turbulent, mais très très simple. C'est efficace. Très correct. Et ça. C'est ton loto. Mon pognon. Kasbah. Il me tient entre l'os, non. Ça fait. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, là, on n'est pas aux pièces quand même. Non, c'est rien. Vas-y, dis-moi. Non, c'est rien. Il veut juste qu'on les paye tout de suite. Mais je vais m'en occuper. Je vais vous payer tout de suite, monsieur. Merci encore une fois. Merci. J'allais t'expliquer. C'est qui ces mecs-là? C'est ça que j'essayais de t'expliquer. Dans le pays, ils font pas l'article au détail. T'es obligé de prendre tout le lot. Bon, en même temps, on les a pour un mois. Un mois. Alors, suivant. Craqué. Oui. Tu as utilisé tes grenades? J'ai utilisé tes deux grenades. Oui, ils les ont utilisés. Tu les remets dans le petit seau. Oui, alors, lui, tu lui donnes le double parce que... Moitié? Non, tu lui donnes le double. Chéri. Comment? Chéri. Chéri, Rick? Chéri. Ah, chéri, pardon. Entends pour moi. Chéri. Ami. Non, deux principes. Comment? Herzogi. Herzogi. C'est fou comme il ressemble à Richard Anthony, t'as vu? Herzogi. Ne pas parent avec Richard Anthony. Autant pour moi. Défi. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec un couteau, c'est deux. Comment t'as? Non. Hein? Donne-lui en quatre. Bien, très content. Je suis très très content. Hein, ce que vous avez fait. Très très bien. Z. Ah non. On avait dit quatre. On avait dit quatre. Z. Donne-lui cinq. Z. Cinq, c'est tout. C'est terminé. Z. Après, c'est tout. Mustapha. Mustapha. Tu as passé, toi, Mustapha? Hein? Passé, lui? Hein? Voilà, donne. Hein? Une petite. La petite, pour que ça. On passe qu'une fois, hein? Ok? Ok, suivant. Oui, Moulahmed. Remouli Moulahmed. Toi, tu as gaspillé, hein? Tu as gaspillé tout à l'heure. Je t'ai vu parce que tu tirais les coups en l'air. Faut arrêter avec ça. Faut pas gaspiller. Donc tu lui retires trois billets. Retire trois billets parce qu'il gaspille ses balles. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand c'est fini, c'est fini. Dernière fois que je te le dis. Alors, Moulahmed. Abdallah. Il va me chercher des coupures de 10, ça va manquer.
C'est les derniers, après il y a Abdou Salam. Abdou Salam. Et marée, en marque, moi je suis chargé. Ma vie à moi c'est contre-courant et prise de tête sans arrêt. La fille me prostitue, je prends plaisir à me faire niquer. On est tous de la fête, populo friqué. Vogant seul dans cette merde, toujours face à nos démons. Toujours rien à l'horizon, en aval, en amont. C'est ça être seul, ce sent la merde, la misère. Ce sent le sel, la galère, ça ronge la tête et les nerfs. On peut pas suspendre le temps, sinon c'est que t'es déjà mourant. On peut pas suspendre le temps, si t'y arrives, c'est que t'es sale mort. Je suis seul, je reste. Je kiffe, c'est vrai de vivre tout seul. Je reste, mais